Salut, c'est Dimitre. Pour changer un peu, on va faire un petit vlog pour vous annoncer quelques trucs et puis pour vous proposer un peu de contenu avec. Je vais vous proposer une réponse à une question qu'on me pose de temps en temps qui est mon parcours politique. Je vais essayer de détailler un peu mon parcours politique militant. Qu'est-ce que j'ai fait dans des organisations, des choses comme ça dans le passé. Puisque je rappelle qu'actuellement, je suis dans aucune organe. Alors pour commencer les annonces, les 6 et 7 juin, je serai au festival du film d'actualité dans les écoles à Forbach, au cinéma de Forbach. C'est un festival organisé par des profs, destiné à encourager les élèves de primaire, de collège, de lycée à faire des projets autour de reportages ou de documentaires sur l'actualité. Il y a des films donc qui sont projetés, des films d'école, mais il y a aussi depuis peu des parrains, c'est-à-dire des professionnels entre guillemets, je ne sais pas à quel point je suis un professionnel, qui sont invités pour montrer leur propre production, parler avec les élèves, et puis pour remettre des prix aux élèves. Cette année, ils voulaient faire tourner ça autour des théories complotistes, et donc ils ont invité beaucoup de sceptiques. Donc voilà, je serai donc invité, mais il y aura aussi Mr. Sam, Astronogeek et Mycéliums. Donc je rappelle que Forbach, c'est en Moselle, et non pas en Alsace, comme j'avais dit un peu vite dans la dernière vidéo. Donc voilà, si vous voulez m'y croiser, c'est l'occasion. Et ensuite, j'enchaîne directement sur le Bordeaux Geek Festival, qui est donc les 8, 9 et 10 juin, à Bordeaux évidemment. Le Bordeaux Geek Festival qui organise chaque année un concours pour visibiliser des petites chaînes. Et la mienne a été sélectionnée dans les 4 finalistes pour la catégorie vulgarisation. Et pour que je gagne, il faut voter. Donc si vous avez envie de voter pour la chaîne, je vous mets le lien en description. Je vous l'ai déjà mis à quelques endroits sur internet, mais j'avais pas fait de vidéo pour en parler, donc voilà, là c'est fait. Sinon, ces prochains mois, je suis invité à faire plusieurs conférences. Alors, j'ai pas encore les dates précises, mais il y aura sûrement une conférence à Skeptics in the Pub Bruxelles, mais aussi une ou plusieurs conférences organisées par l'Université Populaire de Bordeaux, à Bordeaux. Et puis, j'ai quelques autres propositions encore un peu floues. Maintenant, voyons ce qui va se passer sur la chaîne. Alors, prochainement, j'ai un épisode qui est déjà tourné, monté depuis très longtemps, mais simplement que j'organisais un peu les publications pour me laisser un peu de temps. Et donc c'est un épisode qui s'intitule « Complotisme versus complot » qui va être publié dans la première moitié du mois de mai. Et cet épisode est une collaboration avec quelqu'un. Je vous laisse la surprise, mais disons que c'est musical. Et puis le 19 mai, ce sera le prochain Ouverture d'Esprit avec comme invité PA de la chaîne Un Monde Riant, Bunker Day du blog Bunker Day, et Jérémy Royot du balado Scepticisme Scientifique et aussi de Skeptics in the Pub Bruxelles et de plein d'autres choses sceptiques. Et donc vous l'aurez deviné, cette fois-ci, le thème ce sera « Scepticisme et politique ». Pendant ce temps-là, je suis en train de repartir en écriture, donc là j'écris énormément de choses, dont évidemment le prochain Esprit Critique, qui sera sur le propre de l'homme, mais aussi plein de vidéos traits d'esprit et plein d'autres vidéos. En particulier, l'ami Pacôme, qui a fait les illustrations pour les lives d'ouverture d'esprit, a proposé de travailler ensemble sur une nouvelle petite série de vidéos, dont vous aurez la surprise bientôt. Et maintenant, parlons argent. Donc au début du live avec Pou, je vous avais raconté un petit peu mes déboires. Sachez que tout ça est loin d'être réglé, je passe énormément de temps avec des problèmes administratifs, ce qui fait que j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos. Mais j'ai quand même quelques pistes intéressantes que je suis en train de suivre. Et sachez que, a priori, finalement, je ne vais pas être obligé de me mettre en auto-entrepreneur, en tout cas, je vais tout faire pour pas avoir besoin de le faire. Donc j'ai plus que jamais besoin de votre aide sur Tipeee et Patreon, et merci beaucoup à toutes les personnes qui donnent et toutes les nouvelles personnes qui donnent depuis peu, parce que effectivement ça me rassure beaucoup sur mon avenir. Et vraiment, si je peux envisager de continuer cette chaîne, c'est grâce à vous, donc merci encore. Pour les solutions trouvées, comme c'est encore des pistes un peu floues, je vous détaillerai ça plus tard, parce que je pense que ça peut être intéressant pour plein d'autres youtubeurs de voir comment on peut s'en sortir sur YouTube sans avoir besoin de monter une auto-entreprise. Et donc je détaillerai tout ça quand je serai vraiment sûr des pistes que j'ai trouvées. Voilà, c'est tout pour les annonces et les actualités. Maintenant, on va parler de mon parcours militant. Bon, attention, par contre, évidemment, ça va être complètement subjectif. Là, le subjectomètre est complètement explosé parce que je vais essentiellement vous parler de mes convictions politiques. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la politique très tôt, mais pas tellement à rentrer dans des orgas au début, et je me suis trouvé assez vite des affinités avec l'anarchisme en fait. Je dis des affinités parce que globalement j'aime pas trop me mettre des étiquettes, en particulier des étiquettes en iste, ce qui fait que j'ai toujours eu du mal, même quand j'étais vraiment très très proche de l'anarchisme, à me dire anarchiste. Et j'ai toujours pioché des idées dans d'autres courants politiques, essentiellement à gauche évidemment, parce que là par contre, pour le coup, j'ai jamais eu de doute sur le fait que j'étais de gauche. Même si j'ai pas tout de suite compris exactement comment définir la gauche, ce qui fait que j'avais du mal à l'affirmer clairement parce que globalement j'évite d'utiliser les mots dont j'ai pas vraiment de définition. De gauche et proche de l'anarchisme, ça je le suis toujours, j'ai jamais cessé de
de l'être. Après, évidemment, il y a eu des nuances, des évolutions dans mon parcours qui ont fait que j'ai changé d'avis sur certaines questions. Bon, par contre, j'ai beau être proche de l'anarchisme, ça m'empêche pas de dire, comme j'ai dit dans ma FAQ, que je suis révolutionnaire s'il y a une révolution, mais réformiste en attendant. Parce que globalement, je pense toujours que toutes les petites avancées sont bonnes à prendre. Et j'ai jamais compris pourquoi forcément tous les anarchistes devaient être contre le vote. Parce que, bon, évidemment, on n'est pas pour le système actuel. Mais il y a plein de gens qui sont pas pour le système actuel et qui pourtant se partagent entre des gens qui veulent pas de compromission avec le système actuel et qui veulent immédiatement une révolution, et des gens qui acceptent qu'on peut essayer de faire avancer quelques trucs dans le système actuel en attendant la révolution. Ça, il y a ça dans tous les courants politiques, mais bizarrement, chez les anarchistes, il y a l'air d'avoir peu de gens comme moi qui sont prêts à des compromis. Et puis, parallèlement, je me suis toujours intéressé à la philosophie, et j'ai été très intéressé par le scepticisme, par la science, mais aussi par le cynisme, et ça, le cynisme, on en reparlera prochainement. Mes premiers vrais engagements politiques, c'était au lycée, pendant des mobilisations sociales, et puis en essayant de faire vivre une mobilisation pendant un certain temps, et à force de voir le nombre de bâtons dans les roues que nous mettaient des organisations politiques, j'ai très vite eu beaucoup de mal avec le militantisme. Mon problème avec le militantisme, en fait, c'est que quand on milite, on n'a pas vraiment le temps de se poser des questions. Pour moi, c'est vraiment deux choses, deux activités séparées qu'on fait à des moments différents de la vie. Soit réfléchir aux idées, soit on rentre dans des organisations pour militer, mais alors là, au sein d'une organisation, on est censé s'organiser pour la lutte, pas réfléchir et douter et remettre en cause en permanence les raisons pour lesquelles on lutte. Et comme moi j'ai toujours eu envie de me poser plein de questions, de réfléchir sur le fond et de pousser les autres gens à la réflexion, dans les orgas politiques je me sens pas tellement à mon aise. Si on ajoute à ça que je suis agoraphobe, les manifs c'est pas trop mon truc, le collège d'affiches c'est sympa parce qu'on discute avec des potes la nuit ou ce genre de choses. Puis sinon le tractage militant par exemple, pour aborder des gens comme ça dans la rue c'est pas trop mon truc non plus. Et alors faire des campagnes électorales, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Mais pourtant, j'ai fait tout ça. Parce qu'il y a plusieurs moments dans ma vie où je me suis dit, c'est quand même un peu con de développer énormément d'idées et de jamais essayer de les appliquer. Donc à chaque fois que j'ai milité, à chaque fois que j'ai foutu les pieds dans une organisation politique, c'était à reculons, en me bouchant le nez et en me disant que j'allais plonger les mains dans la merde, mais qu'il fallait le faire parce qu'à un moment, j'allais regretter a posteriori de rien avoir tenté. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand après je suis rentré dans des organisations politiques, j'y allais pas du tout pour soutenir l'organisation politique. En général, je m'en fiche complètement de savoir si je suis d'accord ou pas avec leur gars. Je dirais même que si je suis déjà entièrement d'accord avec une organisation politique, j'ai tendance à me dire ils se débrouillent très bien sans moi en fait, ils défendent très bien les idées que je veux qu'ils défendent, donc je vois pas ce que j'irais apporter en plus. Ce qui fait que généralement, si je prends ma carte quelque part, c'est plutôt pour essayer de changer des trucs à l'intérieur. Ou alors parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a une idée nouvelle qui peut émerger et qui peut être défendue par ce groupe-là, et que je peux y apporter du poids. Mais il n'empêche que tout ça, c'est très désagréable pour moi, et du coup, pendant des années après les mobilisations lycéennes, je l'ai pas fait du tout. J'ai considéré que la seule chose que j'avais à faire qui pouvait être intéressant politiquement, c'était ce que je fais maintenant sur ma chaîne, c'est-à-dire de la vulgarisation, donner des informations aux gens, essayer de les faire réfléchir, et j'ai essayé de le faire par différents médiums, mais des choses beaucoup moins efficaces que YouTube. Un des trucs auxquels je me suis beaucoup intéressé dans l'intervalle, c'était les institutions. Et maintenant que vous avez eu mes derniers épisodes, vous savez vraiment ce que j'en pense, c'est-à-dire que je pense que nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes pas en république, et que c'est la première chose à changer pour espérer pouvoir commencer à refaire de la politique après. Donc la constituante, c'est vraiment un de mes combats politiques depuis très longtemps. Donc je disais, pendant des années, j'ai pas milité du tout. Et puis, alors que je travaillais à la fac de Bordeaux, il y a eu les lois sur le CPE et la grande mobilisation sociale qui a suivi et qui est, à ma connaissance, la dernière vraie victoire du mouvement social. Et là, je me suis énormément impliqué dans la lutte contre le CPE. Et juste après, ça a enchaîné sur la lutte contre la LRU. C'est des choses sur lesquelles je me suis tellement engagé que ça a fini par me coûter mon travail. Et parallèlement, ça m'a intéressé un peu aux organisations politiques qui avait autour de nous et qui participait aux mobilisations. Et à ce moment-là, au PS, il venait d'y avoir le congrès du Mans. J'avais suivi un peu les débats et je m'étais aperçu que la gauche du PS était plus importante et plus puissante que ce que je pensais. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais considéré que le PS, de toute façon, était très majoritairement passé à droite et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire avec ça. Mais au congrès du Mans, la gauche du PS, qui réclamait entre autres une constituante pour une 6ème République, avait fait un score pas mal. Et François Hollande, qui était premier secrétaire du parti à ce moment-là, a essayé de négocier avec tous les courants pour faire une synthèse, c'est-à-dire en gros effacer tout ce qu'il pouvait y avoir de radical d'un côté ou de l'autre pour mettre tout le monde d'accord sur un programme mou. Et à ce moment-là, j'avais remarqué qu'il y avait une personne qui, dans la gauche du PS, avait refusé la synthèse.
c'était Arnaud Montebourg. Alors oui, je sais, depuis, l'image d'Arnaud Montebourg a un peu évolué, mais à l'époque, je vous jure qu'il avait l'air d'être vraiment le gauchiste du PS. Il s'était fait une image de chevalier blanc intransigeant en essayant de mettre Chirac en prison pour ses affaires. Et surtout, c'était celui qui défendait le plus âprement une 6ème République. Il avait créé la C6R, la Convention pour une 6ème République, à ne pas confondre avec le Mouvement pour une 6ème République de Mélenchon, qui est beaucoup plus récent, et à ne pas confondre non plus avec l'autre Convention pour la 6ème République, qui date, elle, je pense, des années 80, et qui était, pour le coup, déjà du Mélenchon. Mais donc, moi je pars de la Convention pour la 6ème République d'Arnaud Montebourg, qui défendait des idées qui me semblaient plutôt intéressantes et assez radicales sur une constituante, et qui faisait des propositions de rédaction de constitution qui me semblaient assez intéressantes. Et comme Arnaud Montebourg prévoyait de se présenter à la primaire du PS pour pouvoir donc être le candidat du PS en 2007, il y avait moyen éventuellement que le PS ait un programme pas mal de gauche pour une fois, et en particulier un programme qui comporterait une constituante. Du coup, j'ai pris ma carte à la fois au PS et dans le courant de Montebourg, mais il faut bien comprendre que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas Montebourg, c'était pas la carrière politique de Montebourg, c'était pas ma carrière politique, c'était simplement la possibilité qu'éventuellement on ait une constituante en France. Faut comprendre que quand je suis rentré au PS, je détestais déjà le PS, et je voulais simplement qu'il crève, en fait. Mais pour moi, la seule chose qui maintenait le PS en vie, c'était le système institutionnel actuel qui oblige à faire du vote utile, et qui faisait donc que des tas de gens qui détestaient tout autant que moi le PS ne pouvaient pas faire autrement que de voter PS. Pour pas avoir pire. D'où l'importance que j'accordais à la constituante et au changement des institutions. Donc pour moi, rentrer au PS dans l'espoir que le PS défende le projet de 6ème République et de constituante, c'était un peu dans l'espoir que le PS soit suffisamment bête pour signer son propre arrêt de mort, en fait. De ce passage au PS, je retiens surtout une chose, c'est que en fait, c'est bien pire que ce qu'on imagine. À la base, j'y allais, comme je vous le disais, complètement en reculons, et puis bah en fait, je suis parti avec un énorme soulagement. Parce que vraiment, mais vous imaginez pas à quel point ça n'a aucun sens ce qui se passe à l'intérieur d'un parti comme ça. Concrètement, c'est un parti qui fonctionne avec officiellement des instances plutôt démocratiques, mais simplement, tout est magouillé tout le temps. Et ça, tout le monde le sait. Au PS, à chaque fois qu'il y a un vote interne, en fait, tout le monde bourre les urnes. Alors, de temps en temps, il y en a qui se plaignent du bourrage d'urnes de l'autre camp, mais ils se plaignent pas trop et pas trop fort parce qu'ils savent qu'ils ont tout autant bourré les urnes de leur côté. Et du coup, tout ça se règle, en fait, dans des négociations. Et donc, je rencontre Hollande, je lui dis, ben moi, c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets les scores que tu veux, parce que moi, je participe pas à ton truc. Oh, allez, tu vas pas discréditer le parti, me dit-il. Je sais bien que t'aimes ce parti, ce qui est vrai, tu veux pas le salir. Tu reconnais que t'as perdu, j'ai dit, bah évidemment, je le sais bien, je m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors comment on arrange ça? Bon, on a arrangé. Donc, lui, 85, moi, 15. Alors, lui, il avait plus que sa motion de congrès, et moi, plus que la mienne, on s'est quittés bons amis en s'embrassant sur les genoux, évidemment. En accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, hein, il tient jamais parole. Et il me donne un score inférieur à ma motion, ce qui est littéralement impossible. Bon, etc., c'est que des arrangements, et donc en fait, bon, il n'y a absolument aucune valeur au vote qu'il y a en interne au PS. J'ai appris aussi énormément de choses sur Hollande, et puis sur plein d'autres gens du PS, il y en a un certain nombre que j'ai croisés, avec qui j'ai discuté. Un truc qui est intéressant, par exemple, sur Hollande, c'est qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas vraiment de conviction, il fait que suivre les sondages, et en particulier, ça c'est Gérard Filoche qui me l'avait raconté, il faut savoir que sur le projet de constitution européenne de 2005, le Parti Socialiste Européen avait mis ses conditions pour accepter le projet et faire campagne pour le oui. Or évidemment, comme il y a une majorité de droite en Europe, aucune de leurs conditions n'ont été satisfaites, ce qui fait que logiquement, le Parti Socialiste Européen aurait dû faire campagne contre le traité constitutionnel européen en 2005. Mais le souci, c'est que tous les sondages disaient que les Français allaient voter oui. Du coup, à la tête du PS, ils se posaient beaucoup de questions. Est-ce que, en termes de communication, c'est mieux de rester cohérent et d'appeler à voter non? Mais dans ce cas-là, on risque de se trouver en porte-à-faux avec l'opinion publique si l'opinion publique vote oui. Alors Hollande a décidé que finalement, le PS ferait campagne pour le oui au traité constitutionnel européen. Et c'est comme ça qu'Hollande a pris quasiment toutes les décisions de son parcours politique. A chaque fois, il essayait d'être en conformité avec les sondages. Bon, résultat, pour le référendum, finalement, l'opinion publique a basculé en faveur du non, et le PS s'est retrouvé en porte-à-faux avec l'opinion, c'est-à-dire exactement ce qu'il voulait éviter. Mais revenons donc à Montebourg. J'avais commencé déjà à avoir des problèmes avec Montebourg au sein de son courant, quand il a sorti son bouquin sur la 6ème République. Parce qu'en fait, il avait donc créé une convention pour la 6ème République qui avait proposé un projet de constitution. Et puis en fait, au lieu de faire un bouquin avec le projet de constitution de sa convention pour la 6ème République, il a décidé de modifier des choses parce qu'il voulait quand même s'arranger un peu avec la direction du PS et les propositions de la C6R étaient beaucoup trop radicales. Donc il a fait un projet adouci, mais adouci à un tel point que pour moi, c'était quelque chose qui devenait un projet insipide qui ne changeait plus grand-chose au système de pouvoir de la 5ème République. Donc ça, j'avais commencé à essayer de lui en
parler au sein du courant, mais bon, a priori, il a pas vraiment lu les trucs que je lui ai envoyés. Et alors, ce qui a complètement achevé ma participation au courant de Montebourg, c'est que d'un coup, comme ça, sans prévenir personne, même de son courant politique, il a décidé d'être le premier à rallier la candidature de Ségolène Royal pour la primaire, alors que, concrètement, Ségolène Royal, c'était la droite du PS, et lui, il était censé représenter la gauche du PS, donc il y avait vraiment aucun sens, c'était complètement un calcul politique. À l'intérieur du courant, on a demandé des explications, et la seule explication qui nous a été fournie, c'était que Ségolène Royal avait accepté de prononcer le mot 6ème République dans un meeting pour faire plaisir à Montebourg, sauf que le mot 6ème République, il veut pas dire grand chose si tu donnes pas le contenu, et surtout, Ségolène Royal avait promis le poste de ministre de la Justice à Arnaud Montebourg. Alors vous imaginez bien quand même, s'il peut être ministre, ça vaut le coup d'envoyer bouler toutes nos convictions. Il y avait plein de gens de mon courant qui étaient scandalisés par cette attitude, et donc il y a eu une sorte d'université d'été dans laquelle on était tous remontés contre Montebourg et on y allait vraiment pour lui rentrer dedans et lui dire « Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est insupportable, c'est n'importe quoi, tu trahis tout le monde. » Et puis en deux jours, Montebourg a réussi à retourner tout le monde, sauf quelques-uns comme moi et d'autres potes qui ont décidé de partir. Et c'est à ce moment-là vraiment que, en discutant avec les militants qui avaient décidé de changer d'avis simplement parce que Montebourg leur disait qu'il changerait pas d'avis, j'ai découvert que même en allant jusqu'à la gauche du PS, l'esprit carriériste et aussi la volonté de suivre les sondages, finalement, c'était très partagé. Parce que à ce moment-là, j'ai eu un certain nombre de gens qui m'ont expliqué « Oui, c'est vrai, Ségolène Royal ne correspond pas du tout à mes convictions, c'est pas du tout celle que j'aimerais comme candidate du PS, mais en même temps, tous les sondages disent que c'est elle qui va gagner. Alors, si c'est elle qui va gagner, il faut qu'on la soutienne. » Bien sûr, les sondages disaient aussi qu'elle allait gagner contre Sarkozy, hein. Elle n'avait pas seulement gagné la primaire. Elle était censée gagner et devenir présidente de la République. Alors bon, je vais pas vous faire du bashing des sondages parce que je crois pas du tout à ça et je vais vous expliquer pourquoi dans une vidéo, mais par contre simplement l'opinion c'est dynamique, ça évolue au fil du temps. Et donc c'est pas parce que quelqu'un va gagner dans les sondages à un instant T que il va gagner réellement l'élection quelques mois plus tard. Et puis de toute façon, si on devait choisir qui on soutient et les idées qu'on soutient politiquement en fonction de ce qui va gagner, on n'avancerait pas beaucoup en politique. C'est-à-dire que normalement, quand on fait de la politique, on est censé essayer de convaincre les gens, pas juste rallier à l'opinion majoritaire. Et alors surtout, il y a une conversation avec un autre militant du courant de Montebourg qui m'a marqué, c'est que la personne était donc en train de me dire « Mais tu te rends compte, Ségolène Royal a proposé un poste de ministre de la Justice à Montebourg !» Et je lui ai dit « Mais moi je m'en fous de la carrière de Montebourg, je milite pas pour que Montebourg fasse une grande carrière, je milite pour faire avancer des idées politiques !» Et là en face, la personne a eu le cran quand même de me répondre « écoute, moi je milite vraiment pour la carrière de Montebourg !» Alors à ce moment-là, évidemment, donc j'ai quitté le courant de Montebourg et pendant un temps, j'ai essayé de voir si au PS, il n'y avait pas d'autres courants intéressants. En particulier, il y avait le tout petit courant de Gérard Filoche. Gérard Filoche, c'est quelqu'un d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, il est parti de la LCR à l'époque, l'ancêtre du NPA, donc des trotskistes, avec tout son courant pour rejoindre le PS pour faire de l'entrisme. L'entrisme, c'est simplement essayer de rentrer suffisamment massivement dans un parti pour en changer l'orientation et le radicaliser. Bon, ça fait très 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 longtemps que Gérard Filoche essayait de faire ça, et puis on voit bien qu'il a pas tellement réussi. Mais une fois qu'on a choisi une stratégie, qu'on la garde pendant des dizaines et des dizaines d'années, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué de se renier et de dire j'avais tort. Et dans le PS, à cette époque-là, Filoche aussi, il avait pas signé la synthèse du Mans, Filoche aussi défendait la 6ème République et une constituante, mais simplement, il n'y avait pas le poids politique de Montebourg. Alors pendant un temps, j'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais faire avec Filoche. Sur Bordeaux, il y avait en fait zéro personne de son courant politique, donc je suis devenu pendant quelques mois l'officiel représentant du courant de Filoche sur Bordeaux, simplement parce que j'étais tout seul. Et comme ça donnait pas grand chose, j'ai essayé de regarder un peu les autres trucs qui pouvaient se passer. Et il y avait bien Mélenchon, mais Mélenchon, il avait suivi, il me semble, dans la synthèse du Mans, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il était dans la synthèse du Mans, Mélenchon. Et puis Mélenchon, à cette époque-là, je me méfiais quand même pas mal, parce que je trouvais que son discours très axé République, 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 au bout d'un moment, il y avait des côtés qui pouvaient ressembler un peu à du nationalisme, voire à du bonapartisme. Et l'autre truc que je reprochais à Mélenchon, c'était de s'intéresser très peu à l'écologie à l'époque. Donc c'était pas très clair pour moi, et je me méfiais quand même beaucoup de lui. En parallèle, il y a des choses qui se sont développées à partir donc des mobilisations sur le traité constitutionnel européen de 2005. Il y a eu des tentatives de faire une candidature unique à la gauche du PS,
donc une candidature unique de la gauche antilibérale. C'est ce qu'on appelait les collectifs antilibéraux, qui étaient censés réunir à la fois des simples citoyens, mais aussi tous les partis à la gauche du PS, et même une partie de la gauche du PS. Alors à l'époque, les partis à la gauche du PS, c'était essentiellement le PCF, la LCR, qui allait bientôt devenir le NPA, et puis plein de petits partis pas très connus. Il y avait aussi quelques courants de la gauche des Verts qui étaient intéressés. Mais au début, dans les collectifs antilibéraux, ce qui m'emmerdait un peu, c'était qu'à chaque fois que j'y allais, les gens me présentaient comme le représentant du PS. Or, non seulement je représentais rien du tout au sein du PS, j'étais pas du tout en accord avec eux, mais j'étais pas mandaté par aucun courant, par personne, en fait, pour faire ça, je venais vraiment de mon propre chef. Et au bout d'un moment, ça m'a vraiment saoulé d'avoir l'air d'être la caution PS des collectifs antilibéraux. Donc bon, j'ai annoncé clairement, écoutez, j'ai quitté le PS, donc arrêtez de me présenter comme ça, je suis simple citoyen, et voilà. Les collectifs antilibéraux, je m'y suis vraiment beaucoup investi, avec quelques potes qui eux aussi étaient en dehors des partis, ou qui étaient dans des petits partis sans beaucoup d'influence. Mais petit à petit, j'ai fini par me rendre compte d'une chose que je continue à penser aujourd'hui. Dans tous les partis, il y a des courants différents, avec des opinions différentes, et des forces différentes. Mais ces forces ne sont pas égales partout sur tout le territoire. Il y a des zones dans lesquelles certains courants minoritaires au niveau national sont majoritaires au niveau local, etc. Et il se trouve que j'ai l'impression, surtout depuis cette époque, que dans tous les partis de gauche à Bordeaux, on a les pires. On avait la branche de la LCR puis du NPA les plus radicaux, qui refusaient toute alliance avec d'autres gens parce qu'ils se considèrent plus ou moins comme le parti d'avant-garde qu'il faudrait que tout le monde rejoigne. On a le PCF qui lui aussi se considère comme le vrai parti d'avant-garde, mais qui, contrairement à la LCR qui préférait bouder les réunions des collectifs antilibéraux, eux voulaient simplement les récupérer et les assimiler à eux, quitte à organiser des manipulations assez grossières pour que ce soit Marie-Georges Buffet qui soit la candidate désignée par les collectifs antilibéraux, Marie-Georges Buffet qui était donc la secrétaire générale du PCF à cette époque-là. Et puis quand les collectifs antilibéraux ont commencé à prendre un peu d'ampleur et à devenir quelque chose d'un peu sérieux, c'est-à-dire qu'on avait élaboré un programme vraiment en commun qui était intéressant, c'est d'ailleurs ce même programme qui a été la base sur laquelle s'est construit le programme du Front de Gauche plus tard et enfin ensuite celui de la France Insoumise, avec évidemment à chaque fois des ajouts, des modifications. Mais à ce moment-là, comme ça devenait sérieux et qu'il restait plus qu'à désigner un candidat, Mélenchon s'est intéressé aux collectifs antilibéraux et il a commencé à envoyer des représentants, disant en gros, bon, on veut bien participer, mais à condition qu'on désigne Mélenchon comme candidat, et à ce moment-là, il sortira du PS et on pourra faire une candidature unique de la gauche, à la gauche du PS. À côté de ça, on avait d'autres propositions de candidats qui faisaient plus consensus pour pas associer véritablement les collectifs à un parti particulier. Je me rappelle plus tous les noms, mais bon, voilà. Il y a d'autres candidats, et moi et les autres qui n'étaient pas dans des organisations ou qui étaient dans des petites organisations, ben on était plutôt pour ces candidats-là, parce qu'on ne voulait pas que ce soit réellement simplement un gros parti avec quelques satellites, mais vraiment un nom qui rassemblait plus quand même au-delà des partis. Parce qu'il y avait déjà énormément de gens qui n'avaient pas envie de voter pour un candidat estampillé PCF, PS, encore pire, ou même LCR. Bref, ça a été la bataille des égos, ça a été beaucoup de magouilles, et au final, tout a éclaté, et ça a donné bah, finalement trois candidatures de gens qui ont plus ou moins participé au collectif antilibéraux, mais qui se sont présentés séparément. Ce qui fait qu'on a eu la candidature de Besancenot pour la LCR, celle de Marie-Georges Buffet, qui était essentiellement la candidature du PCF avec quelques satellites, mais qui se revendiquait des collectifs antilibéraux, et qui avait repris le programme, et la candidature de José Bové, qui se présentait comme le réel candidat des collectifs antilibéraux, mais qui avait été désigné en fait par ce qui restait des collectifs antilibéraux une fois le PCF exclu, ce qui faisait pas grand chose en termes de force quand même. Alors moi pendant la présidentielle j'ai plutôt milité pour José Bové, j'étais pas spécialement fan du personnage mais bon moi c'était plutôt par fidélité à l'esprit des collectifs antilibéraux et puis au final bon voilà tout le monde a fait des scores de merde et ça a été une catastrophe. Pendant ces quelques mois de campagne électorale j'ai fini par faire plaisir à un pote qui était le représentant officiel des alternatives parce que c'était le seul alternatif sur Bordeaux. Alors les alternatives c'est un petit parti qui a fusionné maintenant dans Ensemble, Ensemble étant un parti qui a participé au Front de Gauche et qui maintenant est plus ou moins dans la France insoumise. Mais voilà, les alternatives, c'était bon pour me faire plaisir, pour une fois être un peu dans un endroit reposant où je suis avec des gens qui sont plus ou moins en accord avec moi sur les idées, mais je savais très bien que c'était pas vraiment une carte de parti qui allait me donner du poids dans les négociations politiques. Hein. Mais bref, les alternatives, c'est la seule carte de parti que j'ai eue à peu près par conviction. Une fois que le premier tour lamentable était passé et qu'on s'est retrouvé au deuxième tour avec comme choix Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, autant vous dire qu'il n'y avait pas énormément d'enthousiasme. Mais Sarkozy était pour moi un candidat très dangereux de la droite. Et comme je vous l'ai déjà dit, je continuerai de toute façon toujours à voter pour l'avant-dernière déraclure si ça peut nous éviter la dernière déraclure. Donc je m'apprêtais à voter pour Ségolène Royal pour éviter Sarkozy. Et je sentais bien qu'il y avait une certaine réticence chez les gens vraiment de gauche à voter Ségolène Royal pour éviter Sarkozy. Ce que je comprenais tout à fait. Le problème, c'est que Ségolène Royal faisait une campagne lamentable, et clairement c'était pas sa campagne droitière qui allait donner envie aux gens de gauche de faire barrage à Sarkozy en votant Royal. Alors avec quelques potes, on a décidé
de s'organiser dans un collectif qui s'appellerait le CAS, le collectif anti-Sarkozy, qui ferait une campagne de deuxième tour parallèle, une campagne non pas pro-royale, mais anti-Sarkozy, pour inciter à faire barrage. Notre principal outil de propagande politique, ça a été de faire des tracts qu'on distribuait un peu partout, avec une sono, où on diffusait des trucs à l'époque de polémique c'est la voix off, des gens qui faisaient des choses très, très marrantes en détournant les discours politiques. Et c'est dans ces tracts que j'ai commencé vraiment plus régulièrement à écrire des textes politiques, des textes d'analyse, de philosophie politique en fait, dont certains sont la base de certaines vidéos que vous voyez aujourd'hui sur la chaîne. Puis évidemment, comme vous le savez, on a raté, Sarkozy a été élu. Bon, ceci dit, nous on s'est un peu rassurés en se disant que sur Bordeaux, on avait peut-être vaguement changé quelques trucs parce que Juppé a raté son élection, sa réélection comme député, et il a dû démissionner immédiatement de son poste de ministre parce que Sarkozy avait dit que les ministres qui n'arrivaient pas à se faire élire aux législatives devaient partir. Donc voilà, c'était une petite victoire dans la défaite, mais bon, pas grand chose non plus parce que il a été remplacé par une meuf du PS qui était pas non plus incroyable. À partir de ce moment-là, on s'appelait le collectif anti-Sarkozy, sous Sarkozy, ça n'avait plus beaucoup de sens. Donc on a renommé l'association le collectif de résistance à la droite, le CRAD, et on s'est mis à éditer un journal gratuit qu'on distribuait donc aux arrêts de tram, qui s'appelait le Décodeur, dans lequel j'ai rédigé pas mal de textes et je faisais toute la maquette. Là encore, il y a plusieurs des textes du Décodeur qui sont devenus maintenant des vidéos, en étant remaniés évidemment. Et puis le mouvement s'est essoufflé petit à petit, à force que les mobilisations sociales contre Sarkozy échouent lamentablement. Il n'y avait plus beaucoup de motivation, les gens restaient chez eux. Et dommage parce que le CAS puis le CRAD, ça a été quand même quelque chose d'intéressant. On a réussi à faire venir des gens qui n'avaient jamais milité nulle part et on a produit quand même beaucoup de contenu. Alors après, la motivation donc était de moins en moins là, donc finalement les numéros du Décodeur sortaient de moins en moins souvent. En plus, moi-même, il y avait quelques nouveaux arrivants qui me plaisaient moins et j'aimais pas trop l'orientation que prenait le journal de temps en temps. J'avais proposé d'essayer de faire une fin vraiment claire et honnête, c'est-à-dire faire vraiment un dernier numéro qui se présente comme le dernier numéro. Mais bon, même ça, ça n'a pas été possible, et du coup, ça a juste fait comme ça, et puis ça s'est arrêté. À partir de là, j'ai commencé à dire aux gens, là maintenant, je vois pas trop dans quel cadre j'aurais envie de militer, ou en tout cas, enfin, de toute façon, j'ai jamais envie de militer, mais en tout cas, dans quel cadre je trouverais ça utile que je milite. Du coup, j'ai commencé à leur dire que peut-être que j'allais arrêter de militer, simplement. Il y a une réponse d'un pote qui m'a fait rire à ce moment-là, qui m'avait dit « Non mais toi, tu pourras jamais arrêter de militer, t'aimes trop ça, t'es vraiment trop dedans, tu pourras jamais. » Et ça m'a fait rire parce que je lui ai dit « Vraiment, il me connaît pas du tout, il sait pas que je souffre tout ce... depuis toutes ces années où je milite, en fait, ça me fait profondément chier, j'ai pas envie de le faire. » Et que donc, je me force un peu par devoir, on va dire. Et évidemment que, en fait, l'idée que je pourrais arrêter de militer, c'était plutôt une perspective joyeuse pour moi. Moi, ça me faisait plaisir, je me disais « Bon bah, au moins, j'aurais pas de raison de me sentir coupable parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'utile et je peux enfin m'éviter la souffrance du militantisme. » Mais il y a eu un événement inattendu. Au congrès suivant du PS, Mélenchon s'est aperçu que finalement, vraiment, il n'y avait plus aucun espoir pour la gauche du PS de prendre le pouvoir au PS, et il a décidé de se barrer du PS et de créer le parti de gauche avec un autre député dont j'ai oublié le nom. Désolé. Alors, un nouveau parti à la gauche du PS, c'était quand même un événement, ça arrivait pas tous les jours. Bon, moi j'avais toujours beaucoup de méfiance envers Mélenchon, mais le fait qu'un nouveau parti se crée, un parti qui se voulait un creuset de toutes sortes de continuations d'idéologie politique de gauche, qui voulait renouveler les pratiques politiques, et qui semblait très ouvert aux nouvelles expériences de personnes qui avaient jamais milité, ça me semblait intéressant, et peut-être que c'était l'occasion de faire passer un certain nombre d'idées que j'essayais en vain de faire avancer dans différents partis où j'étais, parce que, voilà, il y a de l'inertie. Faire émerger des nouvelles idées dans des partis déjà existants, c'est pas facile. Mais pendant quelques mois, je suis quand même resté un peu à l'écart, parce que j'attendais quand même quelques signes, des preuves que réellement, c'était pas que du discours, et qu'il y avait la possibilité quand même de faire émerger des nouvelles choses au sein de ce parti, qu'ils allaient réellement défendre une constituante et une 6ème République, qu'ils allaient réellement avoir des pratiques politiques différentes. Et puis, ils commençaient à parler un petit peu d'écologie, mais ça me semblait encore assez timide. Mais à un moment, il y a eu un courant de la gauche des Verts, avec Martine Billard, qui a quitté les Verts pour rejoindre le parti de gauche, et à ce moment-là, le discours a pas mal évolué, c'est-à-dire que on a un peu plus vu de choses qui parlaient de démocratie et pas seulement de république, on a vu beaucoup plus de remise en cause profonde du productivisme, et vraiment un discours écologiste plus profond, et puis le fait que ce soit pas juste un club des anciens du PS, ça m'intéressait un peu plus. La phrase qui m'avait marqué de Mélenchon au moment de la création du PG, c'était rigolo, il disait que c'était un parti creuset, qui reprenait donc aussi bien les traditions socialistes, communistes, je sais plus exactement toute la liste qu'il avait fait, écologiste évidemment, mais il a même rajouté « et même libertaire ». Alors ça, pour Mélenchon, c'était un peu étonnant quand même, c'était... voilà.
Je me suis demandé si on allait vraiment pouvoir parler d'autogestion dans ce parti, ou ce genre de choses. Mais voilà, j'étais curieux. Alors à ce moment-là, j'ai été voir ce que ça donnait. Et sur Bordeaux, c'était plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient jamais milité nulle part et qui voulaient vraiment construire des choses nouvelles. Alors j'ai milité un certain temps donc au sein du PG, j'ai participé à la campagne des régionales, j'avais pas fait celle des européennes avant. Mais très vite, je me suis rendu compte que les militants du parti de gauche sur Bordeaux, c'était quand même une exception par rapport aux militants du parti de gauche en général, et en particulier par rapport aux militants du parti de gauche en Gironde. Et globalement, à l'échelle départementale et régionale, c'était plutôt des anciens du PS très carriéristes qui continuaient à tenir l'appareil du parti. Et ça devenait vraiment difficile de faire passer des idées. On s'est fait saquer plusieurs fois par la direction locale ou nationale même. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, on n'arrivait pas à faire avancer réellement des idées depuis le local jusqu'au national. Donc à force, je me suis lassé et je me suis dit, les gars, je vais vous laisser vous débrouiller tout seul. Moi, je vais retourner tranquillement chez moi, arrêter de militer, ça va me faire du bien. Je vais continuer à juste essayer de transmettre des idées et faire réfléchir. Et puis, si vous continuez à défendre réellement la Constituante et la 6ème République, je voterai pour vous, mais de loin. Et voilà donc comment j'ai arrêté de militer. Alors en fait, pour être exact, j'ai continué un peu à militer dans AC, qui est une association de chômeurs, et puis j'ai pas beaucoup participé aux mobilisations. Tout ce que j'ai fait dans AC, c'était essentiellement faire des chroniques à la radio dans l'émission sur la radio locale La Clé des Ondes, dans l'émission Acétone, donc qui était l'émission d'AC Gironde. Là aussi d'ailleurs, ces chroniques, ça m'a servi de base pour refaire des vidéos par la suite. Mais petit à petit, même pour AC et pour l'émission, j'avais de moins en moins de temps à partir du moment où j'ai commencé à lancer ma chaîne. Et puis donc même AC, j'ai finalement pas renouvelé mon adhésion. Donc voilà comment maintenant je suis plutôt tranquille. Ça me fait plaisir de me dire que j'ai pas vraiment d'endroit où je me dis tiens là ce serait intéressant que j'aille militer pour faire avancer certaines idées, parce que ça m'évite la souffrance du militantisme qui me fait toujours profondément chier. Voilà, vous avez un aperçu de mon parcours politique, et sûrement un aperçu plus précis de mes idées et la manière dont je vois le champ politique. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous n'oublierez pas toutes les infos que je vous ai données au début. En particulier, votez pour la chaîne pour le Bordeaux Geek Festival s'il vous plaît, le lien est en description. Je vous rappelle que c'est dans la catégorie vulgarisation. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur complotisme versus complot, ainsi que le live sur scepticisme et politique le 19 mai. A plus !